Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous reprends après un long moment d'absence, après le retour de vacances, le ramadan. J'avais promis de faire des vidéos recettes, j'ai pas du tout eu le temps. Pardonnez-moi, je suis mouillée, je viens de me laver quand même le visage avant de vous prendre. Donc on se retrouve aujourd'hui après un long moment de routine, métro, boulot, dodo. Voilà, rien de très très particulier. Là, on a décidé justement de casser cette routine. On s'est pris un petit week-end. Bon, en Alsace, on va pas très très loin. C'est juste une nuit. Mais je me suis dit, tiens, c'est le moment de vous partager ça. Histoire de peut-être donner des idées à mes Alsaciennes ou pas. Donc, je garde avec moi le temps de la préparation. Préparer la valise et on y va. Bon, je suis à la bourre, clairement il est 10h30. On a une demi-heure pour faire les. Enfin, se préparer, faire la valise et prendre la route. On voulait partir pour 11h pour arriver là-bas vers. On a 1h30 max de route. Donc, midi 30 max, ce serait bien. Donc, je vais à la douche et je reprends. Ça y est, on est prêt. Donc, je me suis habillée. À la rage, je savais pas du tout comment m'habiller. J'ai mis un petit t-shirt blanc, une jupe et des petites ballerines. Voilà, la valise, elle est là. Là, on se prépare, on finit les dernières petites préparations et on prend la route. Bah là, on prend la route, ça y est, enfin, enfin, il est 11h30, donc on a effectivement bien du retard. Bon, allez, bonne route à nous. Des bouchons, mais de malade. Je viens d'apprendre quelque chose, je faisais quand même du compartiment week-end en Alsace, absolument. Voilà, je suis nulle en géographie, ça se voit. Mais non, je pensais que les Vosges étaient encore en Alsace, j'étais persuadée. Il y a des Vosges alsaciennes, non? Ah voilà, parce qu'il y a des Vosges alsaciennes. Non, du coup, on est dans le 88, dans le département des Vosges. Mais on y reste ou on le passe juste? Non, on y reste. Ah, on y reste. Donc non, en fait, on est dans les Vosges. On n'est absolument pas en Alsace. Voilà, on est arrivé dans 36 minutes. J'ai même eu le temps de faire une petite sieste, je suis fatiguée, j'ai faim, il est midi 30 et on n'a rien mangé, ni petit déjeuner, ni midi, ni rien. Bref, hâte d'arriver pour manger au monde. On vient d'arriver, il y a le lac qui est juste là, on est à Gérardmer. Gérardmer, comme diraient certains. C'est magnifique, franchement c'est trop trop beau. Là du coup on va chercher un resto pour manger et on va manger. Je vais arrêter de filmer parce qu'il n'y a que des vieux. Ils vont pas comprendre pourquoi je me filme et que je parle toute seule. Bon appétit. Bon appétit. Comment? C'était long. C'était long. C'était trop long. Péripétie sur péripétie, c'est pas possible. On est allé manger près du lac. Restaurant, on a trop de monde, on fait rien. Bref, ça je crois que je vous ai déjà expliqué. C'est pas grave. On va dans un autre, on commande. Déjà, on voit qu'il y a de l'attente de malades. On attend, on attend, on attend. On voit des gens qui sont venus après nous, sont servis. On va, mais le gars il a oublié notre commande, il l'a perdu. On a dû recommander. Plus d'une heure d'attente. Bref, on va enfin à l'hôtel. On va récupérer notre chambre et on va à la piscine. Vraiment là, ça y est, j'en ai marre. Few moments later. On est changé. Désolé, j'ai un bonbon dans la bouche. Changer en maillot de bain, on va à la piscine. Later.
Bon, piscine finie, on a fait une bonne sieste comme des vieux. Et on s'est préparé, là on va manger, on cherche un resto. Je pense que ça va être compliqué, comme midi, comme à midi. Bah il faut trouver hein. Bon, on verra quand on trouvera. On vous reprend pour la millième fois. Ça y est, on est allé manger, on a bien mangé. On est allé faire un tour au casino. Parce qu'on n'est pas seul, on t'a accompagné et des personnes ont voulu faire un tour. Comme on m'a dit, hein, ah, depuis le lundi, je t'ai bien. Et du coup, là, on rentre à l'hôtel. On rentre, on va se poser. Ouais. Je pense qu'on va pas faire long feu, je suis fatiguée. Et demain matin, petit-déj. Je sais pas si je vous reprends petit-déj ou si je vous reprends directement à Colmar, au festiculture de Colmar. Je sais pas. On verra demain. Sur ce, bonne nuit. Bonjour, on vient de se réveiller, enfin, on vient de se réveiller, non pas du tout, on vient de finir de se préparer, on est allé prendre le petit déj tout à l'heure, je vous ai montré vite fait ce qu'on a mangé, là on va tout mettre dans la voiture, on quitte l'hôtel, et on va faire un tour au lac, non on va faire d'abord un tour au lac, quand même histoire de profiter du lac de Réjarmé, puisqu'on est là pour ça, et ensuite on va à Colmar, au Festiculture. Donc on vous reprend soit au bord de lac ou sur le lac, on sait pas encore ce qu'on fait, et puis ensuite au Festiculture. Ah, une heure d'ici encore. Après notre belle balade à bateau, nous voilà en voiture, on a repris la route, donc je vous prends en voix off. Je vous cache pas que le trajet était long, on a fait plus de 30 km dans la forêt, j'avais peur. Parce que là c'est bien beau, hein, vous voyez les rambardes en bois de côté, il n'y en avait pas sur trois quarts du chemin. Et je vous dis pas la fosse de côté, oh là là, un fossé de je ne sais combien de mètres, voyez la hauteur des arbres. Bref, je vous cache pas que j'étais sous pression tout le trajet dans la forêt. Mis à part ma peur du vide, on a vu des paysages magnifiques entre la montagne, la forêt, les rivières et les magnifiques vignes qu'on a en Alsace, c'était splendide. On vient de sortir, on s'est pété le bide avec du chili kofté, du maïs grillé, obligatoire. C'était bien, il y a du monde. J'ai vu ma chérie Jasmine. Bravo Turc, comme d'hab, hein, vous avez géré. Mais un monde de malade en tout cas. Là, on prend la route, on rentre à la maison. À l'Alsace, on a fait un petit tour aux États-Unis. Regardez, on a la Statue de la Liberté devant nous. Un petit aller-retour aux States. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, on a mangé du échiloté. En sortant, on était obligé d'en reprendre. C'est trop bon. Du coup, ils vendent ça comme ça, la portion de 4. C'est pas donné, je trouve, 8 euros pour de la viande hachée du blé. Sachant que je les ai fait maison et que franchement, ils ont le même goût. Hein. Ouais. Franchement, le même goût. Donc du coup, ma recette, elle est validée. Par moi-même, mais elle est validée. Enfin, par monsieur aussi. Et attendez, je crois que je vous montre. C'est du boulgour autour. Avec de la viande hachée dedans, une farce, c'est trop bon, vraiment. Une tuerie, comme d'hab, la recette elle est sur Insta. Donc là on est sur la route, mais je pense qu'on va vous abandonner. On est d'accord? Ouais, ça y est. On vous fait des bisous et à bientôt.